Soucieux d'un strict retour à la règle de Saint-Benoît, un groupe de moines s'installe en 1098 dans le duché de Bourgogne sur un site isolé propice à la prière. C'est la naissance de l'ordre de Cîteaux. En une dizaine d'années, quatre abbayes filles voient le jour, dont Clairvaux en 1115, avec à sa tête un jeune aristocrate, Bernard de Fontaine. Suite à sa rencontre avec Hugues II, seigneur d'Oisy et de Cambrai, et à sa femme, Eldiarde de Beaudour, il fonde Vaucelles, Valicella ou le monastère de la Vallée en 1132. À la tête de la 13e fille de Clairvaux, Raoul de Marston, d'origine anglaise, reste abbé de Vaucelles jusqu'à sa mort en 1151. Première abbaye cistercienne du diocèse de Cambrai, située alors en terre d'Empire, la fondation de Vaucelles est suivie de nombreuses autres dans la France du Nord au XIIe et XIIIe siècle et dans toute l'Europe. Le site de la vallée ne semble guère avoir changé depuis le XIIe siècle. L'Escaut y coule toujours et l'enceinte en place sous les arbres protège encore l'abbaye et la ferme attenante. En marge du royaume de France, l'abbaye ne fut épargnée par aucun conflit. En grande partie détruite et ses pierres vendues à la fin de la période révolutionnaire, elle connut ses derniers outrages à la fin de la Grande Guerre lorsque l'armée allemande, en entamant son repli, l'incendia. Rare exemple de construction monastique du XIIe siècle dans la région, le bâtiment des moines échappa miraculeusement à la destruction. Commencé au début des années 1170 par l'abbé Allôme, 5e abbé de Vaucelles, il est aujourd'hui le seul témoin de la grande abbaye construite 40 ans après sa fondation. À Vaucelles, comme ailleurs, le XVIIIe siècle est celui des grands travaux. À l'initiative de l'abbé Pierre Ruffin, le palais abbatial reflète avec ses façades en briques et pierres le goût pour l'architecture à la française. L'album de Villard de Honnecourt, daté vers 1210-1220, et conservé à la Bibliothèque nationale de France, suscita un réel intérêt pour l'abbaye après sa publication au milieu du XIXe siècle. Au recto du folio 17 figure le cœur de l'abbatiale Notre-Dame de Vaucelles, consacrée en 1235 et entièrement détruite à la fin de la Révolution française. Une première exploration archéologique menée en 1861 permit de vérifier l'authenticité de ce plan. Deux opérations, réalisées en 1988 et 2002, ne révélèrent que quelques bribes supplémentaires de cet édifice exceptionnel. Les contours en sont aujourd'hui suggérés par les alignements de colonnes factices et les aménagements paysagers. Sur les terres reçues en donation en 1132, les cisterciens trouvèrent l'eau indispensable à la vie quotidienne, les terres et les forêts suffisantes à la production de nourriture et la pâture des animaux. Des bâtiments primitifs, rien n'est connu. Sans doute était-il en bois. Se construit à partir de la fin des années 1160, réservé à la vie monastique, s'organisait autour d'un cloître et abritait une centaine de religieux au cours des XIIe et XIIIe siècles. Selon une chronique de la fin du XIIe siècle, le premier bâtiment est celui dit des moines. Réservé à la vie spirituelle, il était à l'est du cloître. Édifice monumental avec ses trois nefs couvertes de voûtes à croisées d'ogives, il abritait la sacristie qui communiquait avec l'abbatiale, la salle du chapitre où se réunissaient les moines tous les matins pour la lecture de la règle de Saint-Benoît. De plan carré, la salle du chapitre est l'une des plus grandes de l'ordre et se distingue des autres espaces par un décor sobre mais plus généreux et délicat. Un passage permettant aux moines de rejoindre les bâtiments situés en dehors du carré claustral. L'escalier du dortoir utilisé le jour et enfin la salle des moines réservée aux menus travaux. Le dortoir occupait tout le premier étage. Sur l'aile sud, à l'opposé de l'église, les bâtiments ne sont connus que par des plans et vues cavalières des XVIIe et XVIIIe siècles. Le réfectoire était perpendiculaire à la galerie du cloître selon une disposition propre aux cisterciens. Il était séparé du bâtiment des moines par le chauffoir, seule pièce munie d'une cheminée. L'emplacement de la cuisine reste inconnu. L'abbatiale dominait le carré claustral.
Commencée par l'abbé Allôme, celle-ci fut poursuivie et modifiée dès 1190 par son successeur, l'abbé Godescalque. Longue de 124 mètres, avec un chœur profond de 40 mètres, elle fut l'une des plus grandes abbatiales de l'ordre et l'une des premières à adopter le plan cathédral. Le plan singulier de son chevet reste unique au sein des églises cisterciennes. Aussi monumental, avec près de 65 mètres de côté, le cloître constitue le cœur de la vie monacale. Lieu de vie et de prière, il permettait de rejoindre l'ensemble des salles. Commencé en même temps que les bâtiments est, nord et sud, il est probablement achevé en même temps que le bâtiment des convers. Ces religieux dévolus aux travaux quotidiens étaient presque 300 au milieu du XIIIe siècle. Ils bénéficiaient chez les cisterciens d'un bâtiment à l'ouest du cloître, mais séparé de celui-ci par une ruelle. Selon les chroniques de l'abbaye et l'iconographie ancienne, l'infirmerie se dressait à l'extérieur du carré claustral et était séparée de celui des moines par un autre bâtiment de plan rectangulaire, tous les deux desservis par les galeries du petit cloître, achevées au milieu du XIIIe siècle. Le bâtiment des moines et les vestiges du bras nord du transept de l'abbatiale bénéficient aujourd'hui d'une étude d'archéologie du bâti qui permet la restitution numérique de parties disparues. Les traces repérées sur le mur ouest du bâtiment des moines renseignent sur l'organisation de la galerie est du cloître. Entre l'église et le réfectoire, elle desservait toutes les salles du bâtiment des moines. Elle accueillait également les novices et les invités interdits d'entrer dans la salle du chapitre, signalé par ses baies géminées à colonnettes. Probablement détruit à la fin du Moyen Âge, l'escalier du XIIe siècle était situé dans une travée étroite entre le passage et la salle des moines. De la galerie du cloître, les moines empruntaient un escalier droit jusqu'à un palier intermédiaire, duquel partaient deux volets perpendiculaires qui aboutissaient au centre du dortoir. Avant les grands travaux du XVIIIe siècle et les destructions massives de la Première Guerre mondiale, le dortoir était, comme au rez-de-chaussée, entièrement couvert de voûtes à croisées d'ogives et probablement éclairé par trois petites fenêtres dont il reste quelques témoins. Les plus basses permettaient d'aérer cet immense dortoir de 67 mètres de long, tandis que les fenêtres hautes, ajoutées par comparaison avec d'autres édifices de la même époque, éclairaient l'espace. Au premier plan, l'escalier à double volet utilisait le jour et au fond, la porte ouverte sur l'escalier qui mène à l'abbatiale. Les vestiges apparents de la grande abbatiale sont ceux du bras nord du transept. Son élévation était composée de grandes arcades et d'un étage clair, séparé par un niveau intermédiaire correspondant au comble des bas-côtés. Espace de prière, avec ses chapelles à l'est et à l'ouest, le transept était aussi un lieu fonctionnel où se trouvaient les escaliers destinés à rejoindre la sacristie et à permettre aux moines d'assister aux offices de nuit directement depuis leur dortoir. La restitution actuelle du chœur, aussi haut que le transept et la nef, est basée sur l'interprétation des éléments mis au jour lors de la fouille archéologique menée en 1988 et des vues cavalières du XVIIIe siècle. Épargné par les destructions, le bâtiment des moines abrita une filature jusqu'en 1824, tandis que le palais abbatial servait de lieu de résidence. Les nombreux travaux de restauration engagés par Henri Fontana, propriétaire de l'abbaye à partir de 1898, furent anéantis lors de la Grande Guerre. Les photographies prises quelques années après la fin du conflit témoignent de l'ampleur des dégâts. La grande abbaye de Vaucelles n'est plus que ruine. En partie classée au titre des monuments historiques en 1920, il fallut attendre les années 70 pour qu'elle retrouve un peu de son prestige et soit ouverte au public,
grâce aux efforts de la famille Lagoutte et de l'association Les Amis de Vaucelles. 2017 marque une nouvelle page dans l'histoire de l'abbaye de Vaucelles. La 13e abbaye fille de Clairvaux est désormais le 10e équipement culturel du département du Nord.